Bonsoir, chers internautes. Vous êtes bien sur Pipro TV. Je suis bien, M. Peter de Pipro TV. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur Nomak. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Peter. Vous êtes ici à Marseille. Bon, si je vois encore dans la Bible, quand chaque fois Élie ou Samuel venait dans une ville et tout le monde s'inquiétait, je ne sais pas, votre présence dans cette ville de Marseille, c'est une joie ou bien la peur? Non, par contre, pour moi, être venu à Marseille, c'est une opportunité, une porte grandement ouverte pour moi. Et je pense que le Seigneur m'a voulu en cette saison, en cette période, pour quelque chose de spécial. Vous savez que Dieu peut déplacer une seule personne pour atteindre ne fût-ce qu'un seul cœur. Voilà, donc je pense que pour moi, c'est une joie immense de me retrouver, surtout à Marseille, dans la cité phocéenne, où il fait très très beau. Mais en même temps, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Voilà. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'homme de Dieu, le pasteur Nomak, bon, il y a de ceux-là qui cherchent à prêcher, mais nous savons, il y a un homme dans la Bible, quand il dansait, il touchait les cœurs de Dieu. Alors, le pasteur, lui aussi, de son côté, s'est dit que non, c'est l'adoration. C'est cette adoration-là qui brise les chaînes, cette adoration-là qui touche les cœurs de Dieu. Pasteur, dites-nous un peu. Alors, comme nous avions parlé de cela tout à l'heure, lors de la conférence ou de l'émission que nous avons eue ensemble avec la grande dame des dieux, la servante de Dieu, Joséphine, c'est que nous parlions de l'adoration comme étant un lieu secret, un lieu d'intimité, le lieu où deux personnes se rencontrent, l'époux et l'épouse. Nous avions dit que l'adoration n'avait pas forcément à voir avec la musique et que la musique était un vecteur, un moyen d'expression, l'un des moyens d'ailleurs d'expression de l'adoration. Et donc l'adoration, premièrement, lorsque nous lisons dans l'évangile des Jean, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il est en train de dire que l'adoration passe d'abord par la connaissance de la personne qu'on veut adorer. Donc on ne peut pas dire qu'on adore celui qu'on ne connaît pas. Or, le connaître exige à ce que vous habitiez avec la personne, vous puissiez avoir un moment ou des moments ensemble au point que vous commencez à avoir des mêmes attitudes. Donc, connaître Dieu. Donc, pour dire que, au point que David, en ayant une relation très étroite avec Dieu, bien qu'il commençait à jouer cet instrument de musique, la harpe, ça veut dire que même la harpe, lorsqu'elle a joué, elle dégageait une onction particulière à cause de sa vie d'intimité avec Dieu. Pasteur, en suivant ce que vous nous dites là, donc c'est de là que venait cette pensée-là de devenir adorateur. Alors, il faut dire ici que lorsqu'on est dans Jean 4, Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, du reste, c'est la seule fois où Jésus parle de l'adoration, la seule fois. Dans toutes les Écritures, lorsque vous regardez toutes les Écritures, aucune fois Jésus n'a parlé de l'adoration, à part le fait qu'il en parlait avec la femme samaritaine. Et il disait, Jésus, le Père recherche des adorateurs. Il n'a pas dit que le Père recherchait des pasteurs, des évangélistes ou des apôtres. Donc, on se rend compte qu'être adorateur, c'est un denrée rare parce qu'il dit qu'il recherche. Donc, tout le monde n'est pas adorateur, mais tout le monde est appelé à être adorateur. Donc, je pense que la première pensée de l'adoration émane du Dieu le Père lui-même. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu était déjà adoré. Dieu a déjà été adoré par toute sa créature, lui, qui lui rendait la gloire. On est le ciel, lui rend la gloire. La création lui rend la gloire. Ensuite, lorsqu'il s'arroge le pouvoir de créer l'homme selon son image, selon sa ressemblance, la seule créature du reste, il vient voir cette créature pour lui dire, est-ce que tu peux m'adorer? Je cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des adorateurs parmi les anges. Il ne cherche pas des adorateurs parmi la création. Mais il cherche les adorateurs parmi les créatures qu'il a créées selon sa ressemblance, selon son image. Mais ça me trouble, pasteur, parce que vous parlez de vrais adorateurs. Mais quand nous voyons, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui entrent dans des écoles bibliques pour devenir des diacres, des archibishops. Mais tout ça, je ne sais pas. Entre tout ce monde-là, toutes ces qualifications et être un adorateur. Parce que Dieu, vous me dites maintenant, Dieu n'a pas cherché, je cherche des vrais prédicateurs, mais un vrai adorateur. Donc, pasteur, vous êtes un vrai adorateur.
Alors, il faut dire que l'école d'adoration, c'est l'école de l'intimité avec Dieu. L'université où on apprend à être adorateur, c'est dans l'intimité avec Dieu. On peut aller à l'école pour apprendre la théologie, mais on ne peut pas aller à l'école pour apprendre à être adorateur. On peut peut-être avoir des formations sur le rôle, ou plutôt qui est appelé à être adorateur. D'ailleurs, nous allons avoir bientôt sur Paris, dans notre vie, une école d'adoration où on va enseigner sur l'adoration. Voilà, un peu comme on l'a fait tout à l'heure à Marseille. Mais on apprend à pratiquer l'adoration dans l'intimité. Donc, c'est dans l'intimité qu'on acquiert les aptitudes pour devenir un vrai adorateur. Donc, effectivement, lorsque Jésus dit que je ne cherche pas, enfin, je cherche des adorateurs et non pas des diacres, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être diacre, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être pasteur. Alors, des bons pasteurs sont d'abord des vrais adorateurs. Des bons prophètes sont d'abord ceux qui sont des vrais adorateurs. Je préfère quelqu'un qui est d'abord adorateur, qui devient prophète, quelqu'un qui est prophète, qui ne sait pas être adorateur. Voilà. Donc, pasteur, vous me trouvez encore davantage. Donc, on peut être chantre, on peut être chantre sans être adorateur. Oui. Mais on peut être adorateur aussi sans être chantre. Waouh. Mais pasteur, vous avez fait un long voyage, vous avez quitté Paris jusqu'à Marseille pour venir juste adorer. C'est ça la vision que Dieu a mis en vous ou quoi? Ça a commencé comment? Dites-nous un peu. Un jour, j'étais à Marseille dans une petite église, dans une petite assemblée d'une vingtaine de personnes. C'était en 2011. Et il y a une dame qui faisait pas partie de l'église qui rentre dans la salle, après le culte, elle vient me voir, me dit, Dieu me dit que tu dois rester un adorateur. Et puis elle est sortie, j'ai essayé de la regarder à gauche, à droite, elle avait disparu. J'ai été aux côtés d'un homme de Dieu qui n'est plus aujourd'hui vivant, un père, son âme, Alain Moloto. J'ai été dans le groupe Adorant wow. l'Éternel. Wow. Dans le groupe Adorant l'Éternel, je n'étais pas un chantre. Dans le groupe Adorant l'Éternel, Gaël, je n'étais pas un musicien. Non. J'étais un... Comment je peux appeler ça? J'étais quelqu'un qui filmait, qui faisait des photos. Mais j'ai voyagé avec Alain Moloto. On est parti en Israël. On est parti en Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas? Et j'étais aux côtés de cet homme de Dieu que tout le monde apprécie beaucoup, Atom Sumboma, qui est un ami. Et donc, j'ai vu Alain Moloto adorer. J'ai vu Alain Moloto parler avec Dieu. Dans cette... trempe d'homme de Dieu, il y a très peu de gens qui parlent avec leur cœur. En fait, qui ne parlent pas, c'est leur cœur qui parle. C'est des gens qui, non seulement qu'ils aiment Dieu, mais qui adorent. J'aimerais dire une chose. L'amoureux peut donner des fleurs. Quelqu'un que tu aimes, une personne que tu aimes, ta femme, ou voilà, tu vas lui donner des fleurs, des bijoux, un parfum. Mais l'adorateur ne donne pas le parfum, l'adorateur se donne lui-même. Wow. Romains, chapitre 12, 1, est en train de dire, offrez vos corps, s'offrir. L'adorateur s'offre lui-même. Et j'ai compris que tu ne peux pas aimer Dieu sans t'offrir toi-même. D'ailleurs, il me dit, c'est lui qui veut me suivre, doit renoncer à lui-même. Donc, quand je renonce à moi-même, donc j'embrasse quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Donc, c'est pour dire que il faut cultiver ce cœur d'adorateur. Il faut l'entretenir et demeurer un adorateur. Et comme je le dis, le mot peut paraître un petit peu utilisé tout le temps, mais ça veut dire simplement être quelqu'un qui vit dans l'intimité avec Dieu. Waouh! Pasteur, il y a beaucoup de monde qui vont vous regarder à travers Pipro TV. Il y a des hommes de Dieu qui vont vous regarder. Mais quel est le message clé que vous donnez à ces hommes de Dieu, à tout le monde? Avant d'être homme de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. Dieu ne cherche pas les hommes de Dieu. Dieu cherche des enfants. Il dit dans sa parole, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Lorsqu'on va devant Dieu, il ne faut pas se présenter comme homme de Dieu. Il faut se présenter comme un enfant. Parce que ce sont les enfants qui héritent, pas les serviteurs. Je peux dire ça autrement, ce sont les fils qui héritent et non pas les serviteurs. J'aimerais dire, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui tiennent des églises, qui tiennent... Moi-même, je suis dans une église aussi, donc je sais que servir Dieu, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on est un adorateur, je préfère d'ailleurs que tu sois plus un adorateur
qu'un pasteur. Tu es un pasteur par rapport aux hommes, pas par rapport à Dieu. Tu es prophète par rapport aux hommes, pas par rapport à Dieu. Mais quand tu arrives vers Dieu, sois un enfant. Wow. Excusez, ouais. Pasteur. Ouais. Ce que vous venez de dire là, je voulais juste ajouter, poser la question. Est-ce qu'il y a aussi des pasteurs? Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas adorateur. Alors, il y a des gens, être pasteur, c'est un titre. Ça veut dire être un berger et diriger un peuple, mais sans pour autant avoir une vie d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont des pasteurs. Ça veut dire que quand je dis pasteur, ça veut dire qu'il a un troupeau, qu'il est en train d'orienter, de diriger, j'imagine bien. Mais qui n'a pas forcément une vie d'intimité, qui ne connaît pas Dieu? Il y en a, il y a des faux pasteurs. Et quand il y a des vrais pasteurs, il y a aussi des faux pasteurs. Quand il y a des faux prophètes, il y a aussi... D'ailleurs, moi je dis, il faut dire gloire à Dieu quand il y a des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît le vrai que quand il y a le faux. Parce que s'il n'y avait que du faux, s'il n'y avait que du vrai, j'allais dire, vous n'allez même pas accepter que ce vrai est vrai. Il fallait qu'il puisse y avoir du faux à côté pour arriver à distinguer le vrai du faux. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples, laissez croître les deux ensemble, c'est-à-dire le faux et le vrai, l'ivraie et le blé. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a que le vrai, vous douterez même que le vrai est vrai. Donc il faut qu'il y ait du vrai et du faux pour vous arriver à distinguer. Okay. De toutes les façons, à la moisson, il va arracher. Il dit de peur qu'en arrachant le faux, vous arrachez aussi le vrai. Laissez-les croître ensemble. J'ai une phrase, laissez-les croître. Ça veut dire, et le vrai va croître, et le faux va croître. Okay. Mais malheureusement, on a tendance à voir que le faux qui croit, et ça c'est le diable, il nous montre avec des grosses loupes comme ça, qu'il n'y a que le faux qui existe. Et puis on se plaint, mais ne nous en faites pas, il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi. Ça c'est notre prédication. Bref, j'aimerais dire qu'il y a possibilité que des hommes de Dieu, des pasteurs, conduisent des cultes, conduisent des assemblées, mais sans avoir un cœur d'enfant, un cœur d'adorateur. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ils auront dit, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri des gens en ton nom, on a eu des grandes assemblées. Ils diraient, oui, ça j'ai appris. Vous avez eu des grandes églises, vous avez fait des miracles en mon nom, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Waouh. Or, il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, l'adoration passe par la connaissance d'abord de la personne que vous voulez servir. Comment tu vas servir un Dieu que tu ne connais pas? À la fin, il va te dire, tu m'as servi, mais tu t'es servi en utilisant mon nom, en fait. Alors, moi, je ne te connais pas, tu ne viens pas. Mais pasteur, quand nous voyons certains hommes de Dieu, ils disent connaître Dieu, mais ils ne servent que leurs propres intérêts. Donc, ceux-là, ils n'adorent pas Dieu. Quel est le message que vous essayez d'envoyer à tous ces pasteurs-là? Je ne m'estime pas assez à la hauteur de donner quelques conseils que ce soit à des éminents hommes de Dieu qui vont me suivre. Je me sens moi-même pas assez à la hauteur d'ailleurs. Et je peux dire simplement que Dieu ne le connaît pas, il se révèle. Il est difficile de connaître Dieu. Même Moïse a demandé de connaître, de voir Dieu. Il dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Je veux me laisser voir. Il dit, je passerai et je te couvrirai pour que tu me voies de dos. Dieu lui-même se révèle. Voilà. Donc je ne peux pas dire que je connais Dieu, ça c'est un. De deux, je pense qu'il y a des serviteurs de Dieu, je dirais des hommes de Dieu qui parfois arrivent aussi par leur conduite, par leur vie, essaient d'induire des enfants de Dieu en erreur. Je demande à tout enfant de Dieu qu'ils aient des discernements. Ils demandent le discernement de l'esprit. Parce que je pense que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de faux et le vrai n'est pas très visible. Vous savez, nous avons l'esprit de Dieu en nous qui peut témoigner sur les autres hommes de Dieu qui peuvent conduire les peuples de Dieu. Et là où tu as de doutes, assieds-toi à un moment donné et examine. J'aime cette parole qui dit, à chaque prophétie, à chaque parole qui est annoncée, ne rejetez pas, mais examinez. Examinez. Donc, vous pouvez avoir des pasteurs qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies. La seule possibilité de savoir que ce qui est enseigné est fausse, c'est replonger dans les Écritures, non pas se mettre en train de critiquer. Car le critique n'a jamais sorti quelqu'un de l'erreur. Mais par contre, priez pour la personne que vous voyez dans l'erreur et vérifiez dans les Écritures. On dit les chrétiens des bérets, vérifiez dans les Écritures. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens préfèrent aller suivre sur les réseaux sociaux et chercher ce que Dieu leur parle à travers un homme de Dieu, au lieu d'avoir d'abord la parole de Dieu à la maison dans laquelle il y a la parole de Dieu. En fait, les gens laissent Dieu à la maison et vont le chercher à l'extérieur. Du coup, ils sont séduits par plusieurs hommes de Dieu, plusieurs paroles, sans pour autant les vérifier. Les chrétiens des bérets, vérifiez les Écritures. Et je demande aux enfants de Dieu qui nous suivent
de vérifier si tout ce que nous disons est vrai. Si c'est vrai, prenez-le. Si c'est faux, ne le prenez pas. Pasteur, vous m'avez parlé de 2011, quand vous avez reçu cette révélation que vous devez commencer à être adorateur. Bon, quels sont réellement vos projets actuels? Parce que en quittant Paris, en venant jusqu'à Marseille, vous avez laissé vos obligations, que ce soit de l'église, familiale, vous venez à Paris juste pour adorer. Il y a quelque chose derrière là. C'est quoi votre mission, vos projets d'avenir, pasteur? Adorateur sans frontières. Wow. Adorateur sans frontières. Donc, ce que vous dites, c'est l'impression que c'est comme un appel, vous appelez tout le monde à vous joindre, à se joindre à vous. Le Seigneur m'a donné une mission qui est assez lourde, mais je pense qu'il va me capaciter pour pouvoir me permettre de le faire. C'est de rapprocher les cœurs des enfants vers lui. Et le plus dur, ce sera de voir des chrétiens rater le royaume des cieux. Ils sont allés à l'église, ils ont donné des dîmes, mais ils n'ont jamais eu Dieu à la maison. Ils vont le dimanche lui parler, mais le lundi, le mardi, jusqu'à samedi, ne lui parlent pas. Il m'a mandaté pour pouvoir leur dire, allez dans vos chambres, parlez-lui, il vous attend là-bas. Rapprochez-vous de lui. Et la mission qu'il me donne, donc comme je dis, Adorateur sans frontières, c'est commencer à rappeler aux gens que le Créateur, le Seigneur Jésus qui revient, il vient maintenant chercher, ça veut dire prendre les adorateurs qu'il était venu rechercher. À l'époque, il était venu rechercher les adorateurs. Mais cette fois-ci, quand il vient les prendre, les chercher, les prendre avec lui. Donc, j'ai une mission pour dire aux gens, hey, Jésus revient, où êtes-vous? C'est la même mission sous une autre forme, pour dire, le Seigneur revient pour prendre les adorateurs. Et non pas prendre les chrétiens, forcément. Avant d'être chrétien, il faut être d'abord épouse de Christ. Or, épouse veut dire être l'adorateur. Donc, la mission qui m'a amené ici à Marseille, c'est que nous sommes en train de placer un grain qui va devenir très, très grand. Vous savez, lorsque vous mettez un grain à terre, les gens ont l'impression que vous avez perdu. Le grain, lorsque vous le mettez à terre, généralement, on ne le voit pas. Il est sous terre, là où il fait sombre. Il n'y a pas de caméra. Mais là-dedans, il subit une transformation qui va devenir demain un grand arbre. J'ai appris à ne jamais mépriser les faibles commencements, car tout ce qui est grand a commencé par être petit. Et je prends à faire confiance totalement à Dieu. Et du reste, je lui demande de me donner sa foi à lui. Il y a des fois, vous pouvez avoir foi en Dieu, mais il y a des fois, il faut demander la foi de Dieu avec laquelle il a créé le monde. Ce qui veut dire que je crois tellement en Dieu que je le suis aveuglément. Voilà. Chers internautes, vous avez suivi la mission que Dieu a donnée à notre bien-aimé, au pasteur Nomak, c'est l'adoration. Parce que la parole de Dieu déclare, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Alors, je ne sais pas, pasteur, vous avez un dernier mot? Oui, je pense que le dernier mot pour cette émission, pas pour la vie. Donc, on continue toujours à parler. Premièrement, c'est que si les gens veulent suivre un peu tous les enseignements que nous donnons, c'est très facile. On est sur les réseaux sociaux. Le pasteur Nomak, si vous tapez pasteur Nomak, vous me trouvez sur les réseaux sociaux et nous enseignons un peu partout sur cela. Mais je me veux dire à quelqu'un qu'il arrête d'aller au culte sans être le culte. Lorsqu'il dit que nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, donc le culte commence en nous avant qu'elle ne s'extériorise. David, ou le psalmiste, est en train de dire à Dieu, lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, je publierai tes hauts faits. Pendant qu'il le dit, il est chez lui à la maison en train de l'adorer, de le publier. Il dit, il promet à Dieu, lorsque j'irai en public. Je veux dire, ne va pas chercher à adorer Dieu en public quand dans le secret tu ne le parles pas. Tu es en train de perdre ton temps. Tu ne peux pas commencer à aller l'adorer, élever les mains, le chanter en public, alors qu'en secret chez toi à la maison, tu ne le cherches pas. Tu perds ton temps. Rentre dans ta chambre, va le chercher, va lui parler, crée une vie d'intimité avec lui. Et lorsque tu iras en public, ce sera pour des célébrations ensemble avec les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en public quand on sait que tu n'aimes pas. Donc revois ta marche avec Dieu. Si tu vois réellement, tu constates que toi, tu n'es qu'un chrétien de dimanche, donc dis-toi qu'il y a un problème avec toi. Donc il faut que tu revoies ta vie chrétienne.
Et chers internautes, vous avez écouté le pasteur Noma qui vient de parler, il vient de terminer. Et nous vous disons que tous ceux-là qui sont intéressés à adhérer à cette œuvre, à contribuer massivement à cette œuvre, il y a l'adresse, le numéro de téléphone qui défile en bas de l'écran. Et vous appelez, on vous donnera le contact de pasteur Noma et la servante de Dieu Joséphine. Et à partir d'eux, vous pouvez savoir ce qu'il faut faire pour être, pour essayer de contribuer à cette œuvre, que Marseille aussi soit aille de l'avant. Alors, chers internautes, vous étiez bien sûr Pipo TV, c'était bien moi, Peter, de Pipo TV. Restez branchés et prochainement, nous vous donnons encore des nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt et félicitations à Lydia qui est derrière les caméras. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.